Hello les bulles! Bon, je viens vous parler d'un autre fond de page qui est possible de faire. J'ai décidé de vous le présenter sous forme de marque-page. Voilà. J'ai fait le système que je préfère pour les marque-pages, je vous le dis franchement. Donc, vous allez avoir sur un grand morceau de 21 de haut. Vous le pliez à 8 cm. Il fait 7,5 de large. Faudra deux petits de 7 fois 12,5. Il faudra deux de 7 fois 7,5 cm, pardon, et deux aimants. Je laisse ça de côté pour pas le salir. Ceux-ci vont être patouillés. Donc vous les retournez. Voilà. Avec des tampons, parce qu'il faut travailler à plat, vu que ça doit revenir, on va s'amuser avec la poudre embossée, tout d'abord. Faites tout d'un coup, prenez le motif que vous voulez. J'ai pris la Silver Pearl, que signifie c'est vous avoir, c'est une de mes poudres que j'adore, elle est très jolie. Désolé, j'ai un petit peu pour moi. Que ça ne va pas. On m'a déjà posé la question. Oui, c'est vrai que c'est trop statique. Ça reste bloqué dessus, mais franchement, c'est quand même le plus facile du monde. Vous en mettez moins partout. Je suis désolée. Mais... Alors, si quelqu'un connaît un système, je suis preneuse. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Donc, après ceci, nous allons faire chauffer tout cela. N'est-ce pas? Hop. Je prends ma petite pince et on y va. Désolé pour la lumière. L'hiver, c'est toujours plus chiant tout ça chez moi. Je suis dans un coin de la pièce, j'ai pas de la lumière qui va.
Et j'ai pas de place pour mettre les pieds donc. Voilà. Vous voyez? J'adore cette couleur. Elle est blanche et argentée en même temps. J'aime bien. Une de mes chouchoutes depuis de longues années. Mettez-le bien dans le bon sens. Sinon, vous allez tamponner à l'envers. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous amuser avec les petites peintures. Donc, vous avez les acryliques liquides et vous avez tous les autres petits acryliques de prime. Je vais vous montrer pour faire un seul fond. Attention, c'est très 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 pigmenté. Vraiment, on met très très peu. Moi, la couleur me dérange pas. Donc, mais bon, c'est très. Ça, c'est du liquide médium. C'est tout nouveau. Vous en mettez. Généralement, je mets moitié-moitié. Je viens de l'avoir, c'est génial, en fait ça lubrifie vraiment votre peinture et vous pouvez l'utiliser pour prolonger la vie de vos roses pasta. J'ai pas encore essayé, je vais essayer bientôt, je vous tiens au courant, je vais essayer sur ça et sur les mousses mousses, je vous le dis franchement. Voilà, donc maintenant vous allez mélanger, vous n'avez pas besoin de faire avec le doigt, mais bon. Vous voyez la couleur? C'est beau. Hein, et bien, vous allez venir appliquer. Ici, moi, je fais dans l'autre sens. Coucou. Ceci. Vous voyez les acryliques liquides, les couleurs sont. Alors avec les peintures métalliques, moi j'ai pris des sparks. La spark a des petites paillettes dedans. Vous voyez? Voilà. Donc j'en prends un peu. Je vais aller avec le doigt. Envie d'aller chercher un poteau, c'est pas bien. Hop là. Voilà, puis on va les mettre tout ça en l'air. Dis dur, pas grave, ça ira mieux demain. Hein. Tu en ajoutes déjà au départ, c'est pas mal, bien sûr. Vous voyez pas, mais je me bagarre avec. Pas ça le même procédé. Hein. On va mettre du super pitch. On va diluer. Et on va venir remplir les creux qu'on n'a pas bien rencontré. Mon spray devient vide. Voilà. Donc, on mélange. Personnellement, les petits bouts, moi, me dérange pas, donc je vais laisser. Si ça vous dérange, vous enlevez. Et vous venez mettre les bouts que vous n'avez pas mis dedans. Alors.
et remplir tous les trous blancs. Surtout si vous voulez du blanc, je dis ça. Vous voulez du blanc, vous voulez du blanc. Et puis on sèche. T'as les petits bouts qui restent pour pas que ça fasse des boubules. Ça doit tenir dans, pour tenir à lire pour mieux. Alors, si vous utilisez du papier aquarellable, évidemment, il sera plus épais, ça gommera moins. Mais bon, et moi, je ferai bien celui-là, personnellement. Donc voilà, vous avez toutes les nuances. C'est juste ça pour eux. Le pire devient de soupe à lui. Et pour vous montrer. Voilà. Donc, je regarde ça dans mon sens. Voilà. Maintenant, on va tamponner. Je peux prendre mon petit appli. De la bibule. Alors, utilisez ces tampons-là. Bon, je vais commencer par celui-ci. Voilà celui-là. Oh. Non, je vais peut-être faire le contraire en fait. Donc, prenez votre Versafine et vous tamponnez où ça vous plaît.
donc vous tamponnez tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et maintenant, on a joué avec la poudre embossée en dessous. Maintenant, je vais jouer avec la poudre embossée par-dessus. Donc, hop, mon bloc, il est là. Il ne va plus très bien, je sais pas. Tampon que j'utilise beaucoup, je dois dire. Donc, je prends mon petit bac de poudre embossée. Je vais le mettre, donc, je vais le mettre là. Hop. Un petit peu ranger les fils. Là, je m'en sors plus, j'ai trop de bol. Et on va faire quoi avec du... Ah, du doré. Sylvie a une autre marque, mais bon. Moi, j'ai encore que celle-là. Donc, vous prenez votre verre sans marque. Et moi, je vais venir dans l'autre sens. Tamponné. Je fais tout seul à fond personnellement. Si vous êtes moins rapide ou préférez faire à la fois, vous faites à la fois, ça c'est pas un souci. Faut juste retenir où vous mettez le tampon. Non, c'est bon. Voilà. Allez. Vous voyez, c'est pas tout à fait sec de l'avoir. Moi, j'aime bien juste un petit peu frotter comme ça. Là, vous en avez un petit peu dessus. Voilà, voilà. Ça fait deux couleurs différentes. J'aime bien, moi, jouer avec tout ça. Voilà. Si vous voulez garder l'effet noir et comme ça vous séchez entre, c'est tout. Moi j'aime bien quand ça, ça fait un petit dégradé en fait. C'est comme ça avec. J'aime bien ça de temps en temps. Il fait avec ça.
là, vous obtenez ceci. Vous voyez, il y a des fois où vous avez un ton plus foncé derrière. C'est parce qu'on l'a frotté avec le doigt. Donc évidemment, vu que maintenant, nous avons du noir, c'est en général bien le rajouter, il faut dire ce qui est. Vous le mettez toujours dans le bon sens, c'est toujours mieux. Hop. Voilà. Et donc maintenant je prends un petit en contexte pour venir ajouter du contraste. Toujours avec la Versa fait noir. Alors bon, moi j'aime bien quand je vais sous du noir, j'aime bien passer les bords. Bon, ça, je suis toujours à distress personnellement, mais vous pouvez le faire avec d'autres encres. Vous pourriez même le faire avec la peinture avec une petite éponge, mais bon, là c'est plus chaud franchement. La distress c'est plus facile pour ça. Enfin, la distress, tout ce qui est les encres en pâte. Maintenant, on va coller. Pour ça, et deux petits aimants. J'arrive à les avoir. Non. Donc, un jour je vais perdre ma tête et enfin, je vais... cherche mon rouleau. Il le cache là. Donc, il vous faudra des petits bouts de tape. Tout ça se ferme, ça viendra ici, plus ou moins. Celle qui aime la précision, le vérité mesuré. Donc je suis à... ouais. Allez. À 1,5 cm, plus ou moins. Vous mettez votre aimant, vous mettez votre petite tape. Ah non, oui, pardon, vous mettez l'autre aimant dessus, hop là, le petit tape, vous enlevez et vous venez refermer. Et comme ça, normalement, il doit se retrouver sur le bon côté. Des fois, il faut séparer un peu les tiges, c'est tout. Hop là. Voilà. Voilà, on peut mettre le suivant dessus. Hop là. Magique. Bon, on va coller tout ça.
moi j'ai tendance à bien remettre un taquis autour, que ça tienne bien. La même chose. Voilà. Là je vous conseille de le refermer pour placer celui-là ou sinon de le mettre à l'envers, c'est inévitable. Voilà, si vous avez une partie à décorer, c'est ce morceau-là. Ou alors vous décidez de le mettre dans l'autre sens. Vous allez comprendre après. Donc, vous voyez, j'allais mettre les inscriptions à l'envers. Là, donc mettez-le vers vous, c'est pour ça que j'ai mis le côté écrit, ça évite de faire des erreurs. Après je vous montre comment ça se met dans un livre. Voilà. Personnellement j'adore ce système. Parce qu'il est pratique, il prend pas beaucoup de place. Et ça, c'est la lectrice que je suis qui parle. Désolée. Le soleil, il part et il revient. Il va avoir des moments où c'est clair et des moments où c'est sombre. Je faute vite et sinon il y a toujours la gomme en vieille trace de colle. Voilà, vous avez votre marque place. Donc vous pouvez décorer ou cette partie là ou cette partie là, mais là ça doit rester tout plat. Sachez que personnellement il vaut mieux vraiment mieux que ça soit pas trop épais, je vous le dis. Donc je vous montre. Excusez-moi, Arjouane, mais bon, ah, voilà, il va jouer un courrier. En fait, vous glissez comme ça. Et vous voyez, vous pouvez secouer votre livre, ça tient. Donc, quand vous prenez votre livre, vous voulez lire, ah, on marque pas, et là, hop, je fais cette page-là. Et donc, les gens peuvent le mettre comme ça, ou comme ça. J'attends un beau tampon d'AB Studio, je crois que je vais le mettre par là. Je vous montrerai. Voilà. Et donc, voilà. Et même quand vous lisez, donc vous lisez votre livre, vous prenez votre petit truc,
Vous le stockez plus loin et vous lisez tranquille. Là, 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 là. Et puis, oh, j'ai fini. Eh ben, vous le récupérez, vous le remettez là. C'est pour ça que j'aime bien ce modèle-là. C'est facile. Maintenant, dans le métro ou quoi, vous pouvez le lire, dans le bus, pas de souci. C'est facile comme tout. Donc, je vous montrerai un petit décor que j'aurai fait après en photo. Voilà. Amusez-vous bien.